Bon, re-YouTube, on a un petit souci sur, sur The Witcher, il l'a planté, et on revient par ici. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on a beaucoup aidé, Sentinelle, ouais, d'accord, pense trompeuse. Donc on va oublier un petit peu... Il n'y a pas de... J'ai rien à faire en fait en bas, donc j'ai pas de mission en bas, donc je m'en fous un peu. Allez, vas-y, on va faire sentinelle. Ça ira très bien. Et on va aller dormir chez les prostituées. Putain, c'est bizarre qu'il ait planté comme ça, hein. C'est ouf. Pas que ça m'arrive, d'habitude il est plutôt... À surveiller. Salut les filles. Les cuisses brûlantes, ouais. Ah non, mais... Ravi de vous voir. Ouais. J'aurais même édité, s'il vous plaît. Du coup, j'ai mes talents, ouais, d'accord. Okay. On avait dit que je débloquais ça. Ça, ça. Ouais. Et ça. Voilà. Du bourrinisme. Et on va méditer jusqu'à l'aube. Je peux pas faire un petit peu plus. Ah si. Ok, c'est parti. Putain, c'est bizarre, en méditant, il n'y a pas de sauvegarde automatique. C'est quand même fou, hein. C'est payé pour ça. Ok, là, on va voir le passeur. Alors ? Ça va trouver le bouffe, hein, cette histoire de... Marchand, je suis marchand. Ça va trouver le bouffe, hein, cette histoire de jeu qui plante. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? Rien de personnel. J'ai des tarifs avantageux pour le transport. Allez, c'est parti. Amenez-moi de l'autre côté. Ouais, allez, allez, on se dépense, machin. Ouais, je paye. Oui, oui, oui. Prêt. Ouais. Allez, ouais, c'est parti. Je dois. Ah, c'est bien, je peux passer la scène. En fait, je l'avais jamais fait, mais on peut passer la scène. Tac. Parfait. Est-ce que je suis prêt pour le machin? Je pensais qu'il y avait un truc. Des bêtes. On va tomber sur des noyadés, machin. Pleine caisse, elle est mort. C'est ça que je peux me téléporter chez l'autre. Ouais, mais faut se méfier parce qu'il me file ça, mais... apparemment, c'est lui le coupable, donc... Putain, c'est trop calme, hein. Pas sûr, y a pas d'ennemis. C'est bizarre. Ah. Ah bon.
Ah bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, hein. Pas nous. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus rien du coup à manger. J'ai chopé tout en bas. Hop hop hop. Calme-toi. Doucement. Bon, du coup, lui a brûlé. Donc, je peux récupérer. Super. Je m'en fous un peu. Alors. Ah, et j'y vais, j'ai pas tous mes PV. On va sauvegarder. Parce qu'on a bien vu que. Déjà, une, je peux planter. Et deux. Ah non, c'est... faut aller voir les druides. Ah non, ça va, j'avais oublié. C'est vrai. On s'amuse encore plus. Ouh. Super. Ok. Ouais, mettons. L'est-il ? Je n'arrive pas à trouver Yevin. Que lui est-il arrivé ? Il est parti rejoindre d'autres elfes dans les marais. Où pourrais-je le trouver ? Aucune idée. Inwet Strade, Kaevuaetkael. Le hiérophante est à la recherche de nouveaux apprentis. Ah. Qu'y a-t-il ? Les druides contrôlent les forces de la nature, non ? Non. C'est plutôt nous qui vivons à son rythme. Mais vous dressez des animaux ? Et vous savez faire éclater un orage ? Non. Enfin, si. Mais pas par la contrainte. Disons qu'il me faille une tempête avec foudre et éclair. Pouvez-vous me la créer ? Sans doute. Mais enfin... Je suis prêt à payer. Appelons ça une donation pour la prévention des dégâts environnementaux. 500 orins. Ça fait beaucoup. Les prix augmentent toujours. Et pourtant, il faut bien vivre. Je sais pas si j'ai 500. C'est d'accord pour 500. Revenez lorsque vous serez prêt. Attends, qu'est-ce que je peux lui vendre ? Rien ? Ah si, je peux lui vendre le machin. Ah non, je les ai les 500 en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai économisé pour... C'est toujours 500 orins pour un orage ? Et pas un orin de moins. Mère Nature tient à ses marges bénéficiaires. Ne prenez pas le sacré à la légère. Excellent. Adieu. Qu'y a-t-il ? Au revoir. Non, j'ai vu la machine là. Fait comment en fait pour s'accoupler ? Gwynblade. Vous n'avez pas oublié notre discussion sur l'origine des dryades ? Bien sûr que non. Le chasseur est donc de retour. Ah, c'est une peau de loup. Avez-vous la peau de loup ? Ça ne saurait tarder. Ça se trouve, il en vend, lui. Qu'y a-t-il ? Alors, est-ce que vous avez une petite peau de loup à vendre ? Non, même pas ? Ah, tu me déçois. Oh, non, non, j'avais dit que de toute façon... Voici 5... Ce n'est pas si facile. Je ne suis pas de ces magiciens qui domestiquent les orages avec des bornes en pierre. Je guetterai les nuages annonciateurs de l'orage. J'ai cerné vos intentions, sorceleur. Et je vous préparerai des élixirs que vous feriez bien d'absorber. Vous en aurez besoin... Sans élixir, un sorceleur n'est que la moitié de lui-même. Est-ce que je peux choper les peaux de loup ? Ah, je peux retourner dans la cave, là. Ils vont revenir, ils vont ripoper les loups. Allez, je vous promets. Alors, on s'en fiche, hein, de... Enfin, remarque si le golem, on va le faire peut-être...
va peut-être faire le golem avant et ensuite on verra pour les loups. Je récupère la vie ou c'est moi ou c'est... Alors le paratonnerre. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Ah carrément. Bon, t'as pas l'air de plaisanter. Fais rien contre toi. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Ah non! Quand même un peu. Je pense que ce serait plus la dague en fer. Avec un style brutal. Ok, on va essayer l'autre style. Ça va être très très long, on va se faire chier. S'il m'a balancé là. Bravo, félicitations.
gros gameplay. Les flammes qui marchent pas. Bravo. En fait, j'étais bien enchaîné en fait. J'avais trouvé un safe spot où il recule pas. Ah, la moitié de la vie. C'est fort, c'est ça. Hein. Ouais, s'il te plaît, ouais, tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. Ah, ça, sur moi, ça lui fait des dégâts. Ah, 3. Aïe, aïe, aïe. Je commence à prendre là. Hein? Tu te fous de ma gueule le jeu là? J'arrive à la maintenir au-dessus de la moitié, donc la mienne, on va dire. Gros boss, hein. Très, très 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 gros boss. Ça va être passionnant à voir. Quand j'ai la posté sur YouTube, entre ça et le jeu qui a planté, franchement, c'est de la qualité. J'ai beaucoup concentré, ça sert à rien. Bientôt le quart. Attends, 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 attends. On va boire la dernière. C'est quoi ça? Hirondelle. Enfin, que j'en refasse. La prochaine fois que je fais la chimie. Dans le sol, mais pas grave, hein. Ça se voit pas beaucoup, donc ça va. Putain, la vache! C'est long, hein! Surprise, ce serait quand même un petit festival quoi. Oh. Super. Alors ça c'est pour un truc ultime.
Et les autres, on s'en fout. Tout de suite sauvegarder. Et on va faire quelque chose d'un petit peu plus important, on va chercher les pots de loup. Voilà, plus important. Quand même. Je dois seulement trouver la dernière Séphira. Et c'est où? C'est pas ici. Voilà. Non, mais moi ce que je cherchais... C'est ça. C'est meilleur. Ah ouais d'accord, ils explosent. Ils ont explosé et ils ont fait ça, d'accord. Ça c'est quoi? Ça j'en ai plein ça, des trucs comme ça, attends. Ah j'en ai 6, d'accord. Ah pas tant que ça en fait, hein. Du coup c'est pas plus mal d'en prendre. Bon les autres ils ont explosé, je sais pas où ils sont. Allez, continue. Ah. Les disques de jeu machin. Ça fait quoi? Ah d'accord, ok, c'est pour mettre les... Ok, ok. Ça me rappelle quelque chose. Il y a un hôtel à son pied. Mais j'ai rien là. Laisse tomber, j'ai pas. C'est quand même sacrément plus rapide avec eux. Hop là! Thierry la France! Avec des cascades à la française! Et voilà! Allez, dis-moi que les loups sont revenus. Excellent. Allez, on sort de la grotte, ouais. Allez, c'est bon, on a le foie de loup. Ok. Je suppose que c'est là. Je suis pute.
machines. Ouais, faut les, faut mettre tous les machins en fait, pour remplir le, pour accéder au château. Qu'est-ce que c'est que ça? Siegfried, qu'est-ce que tu fous là? Oh, Gérald, c'est bon de vous revoir. Que s'est-il passé? Une épine d'équinope coincée sous ma jambière me fait souffrir. Je crois que je ne peux pas marcher. Nous cherchions le cimetière des golems. Un sceau, puisse le feu éternel dissiper les brumes de son esprit, pérorerait sur les moustiques et les golems quand cette maudite plante m'a lancé son épine. Ah! Cette blessure doit être pansée. Je n'ai pas le temps. Les elfes et les avécars doivent se retrouver dans le cimetière des golems. Mon devoir est de tous les éliminer d'un seul coup de glaive. Je crois qu'ils auront un sursis. Cet ordre émane du grand maître lui-même. Ah, aidez-moi. Je vous confierai le commandement de mon détachement. Je ne suis pas un soldat. Rien n'arrive sans raison. Le feu éternel vous a conféré à la fois le sens de l'honneur et de la responsabilité. Ne vous montez pas la tête. Nous avons besoin de votre aide. Attendez ici. Je pars en éclaireur. Attends. Doucement, calme-toi. C'est un feu de camp. Ah, c'est excellent. Et genre, les druides, ils sont juste derrière, quoi. Salut! Gwynbled. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que. Sont les peaux de loup. Sont où? Ah. Vous avez prouvé vos compétences de chasseur, mais un obstacle demeure. Lequel? Les sorceleurs sont inféconds. Et nous, les dryades, ne tolérons aucune intimité sans volonté procréatrice. L'intimité peut être agréable sans volonté procréatrice. Comment ça? Un couple enlacé dans une étreinte peut remuer la terre sur laquelle il s'ébat et améliorer la croissance végétale. C'est absurde. Reprenez vos esprits. Je suis toujours furieuse. Ah! Attends, bouge pas. Bouge pas, coquine. Que le feu éternel remplisse mon cœur. Alors, ce que j'avais dit, c'est que je faisais des hirondelles aussi. Ok, j'en ai fait 3 seulement. C'est pas top. Excellent. Alors. Hop. Voilà, là, au moins. Bon, ça dégage un peu de mes ingrédients, mais. Faut le voir comme ça. Faut le voir comme 13 potions de soins, et puis voilà. Bon.
Excuse-moi, Pépette. T'es où? Je t'offre une autre poudre si tu veux. J'en offre encore trois. Gwynblade. Vous n'avez bien sûr. Ah la salope. Alors prends une, effectivement. Vous avez prouvé vos. Lequel? Les sorts. L'intimité commence. Le sexe soulage l'anxiété, permettant à la tête et au corps de mieux fonctionner. Nous, les dryades, devons être vigilantes et agiles pour défendre notre patrie. Voilà. Et mon corps est avide d'amour. Désirez-vous être mienne? Oui. Soyez mon amant d'un jour. Venez. Et bam, la dryade. Alors ici, c'est bon. Excellent. Ben voilà. En plus, je connais un peu plus sur les dryades. Bon, maintenant que on a eu ce qu'on voulait, on va raser ton village. Hein. Salut. Ça va, pote? Que s'est-il passé? Une épée, je crois que cet ordre. Je ne suis rien de vous. Nous avons. C'est bon. Je. Mille merci. Les elfes et les avécars doivent se retrouver au cimetière des golems. Frappez fort! Qui sont ces avécars? Ils fournissent des armes aux écureuils. Aïe. Leur nom vient d'un mot elfe qui signifie cupidité sans limite. Ah oui, sûrement, hein, tout dans le genre, quoi. Pas terminé cette mission, je m'en fous, je l'ai balancé. Attends, c'est bien ça, hein. Je suis en train de suivre là. Ah oui, faut que je retourne, ouais, machin. Tu dois éliminer le boucanier. Ah oui, carrément. Ah bah voilà. Que le feu éternel. Ah oui, non, c'est le truc que j'avais mis, c'était un comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus... Hein? Ah oui, je les connais pas, celle-là. Là, c'était juste, comment ça s'appelle, un marqueur que j'avais mis pour retrouver la miss. Ah, y a des nains en plus. Saloperie, hein. Salut de peau. Bon, je voulais fouiller, mais bon, apparemment. Ah, mais attends, à la limite, c'est dommage parce que j'aurais pu en profiter pour battre le golem avec ça, quoi, toi. Mais alors voilà. Ah, vous êtes vraiment des pauvres en plus, hein. Calme-toi, hein. Allez, on va retourner voir Siegfried, lui dire voilà, bon, c'est bon, on leur a cassé le cul. C'est excellent. Elle remplit mon cœur. Il est où? Allô? Allez, là. Salut, pote!
J'ai mené vos chevaliers au cimetière des golems. Comment le combat a-t-il fini? Maintenant, c'est un cimetière des elfes. Et des nains. Vos chevaliers se sont bien battus. Mais il n'y avait aucun Avecar, et les écureuils nous attendaient. Votre zèle sera récompensé. L'ordre traite bien ses amis. Je n'en doute pas. Je vous le prouve. J'ai enquêté sur ceux qui nous ont attaqués dans les égouts. Et? Ils s'intéressent aux sorceleurs. Un autre est venu à Vizima avant vous. Berengar. C'est ça. Et il est tombé entre les griffes de la salamandre. Soyez prudents, ils veulent aussi s'emparer de vous. Alors Berengar est en vie. Merci Siegfried. C'est à ça que servent les amis. Voilà. Excellent. Oui, ça donne une raison de plus de massacrer la salamandre. C'est vrai que là, on va leur faire le... Voilà. On va leur faire le portrait. Leur portrait. J'ai dit, vous voyez, ouais, ça me fiche, ça me fiche. Ouais, ça faut que je le fasse. Yes! Yes, c'est rébarré ça, parfait. Œil de corneille. Le chanteur. Ok! On va voir le nain. Eh salut, j'ai tué pas tout à l'heure. Parle. Le passeur m'a réglé pour les plantes. C'est pas trop tôt. Voici votre part. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Pareillement, salut. Yaren. Parle. Bon vent. C'est tout? Bon, à tous les coups, j'ai eu de l'XP, non? J'ai pas juste perdu du pognon comme ça. Attends, c'est dégueulasse. Ça commence à s'amenuire. Ça peut être ça là. Oh, mais ça, j'arrive pas. Il est jamais là, Zoltan. Hein. Ouais, on va suivre ça. Parce que. On s'est fait chier à trouver les Séphira une par une et. Il n'en reste plus qu'une, j'aimerais bien finir la quête. Ça serait cool. Bien. Je peux éviter le combat, ça serait cool. C'est quoi ce machin là-bas? Ah non, c'est juste une plante. Ouais, vous êtes mignon, mais je trouve ça un peu. Quoi. Apparemment, j'y ne couperai pas. Ah ouais, d'accord, ok. Mais non, mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Il fait n'importe quoi. Ah, d'accord. Okay. Pas le feu. Les machins qui passent leur temps dans la flotte, mais ça grimpe le feu. Non, non, mais... Normal, quoi. En fait, tiens, j'ai pas viré mon truc au moins. Ah ouais, d'accord. En faisant mes trucs tout à l'heure. Ouais, c'est des plantes communes qu'il faut pour hirondelle, tout ça, machin. D'ailleurs, j'en ai, là. Hirondelle, derrière. J'ai chat, hein, bizarre... Ouais, non, c'est pas hirondelle, c'est le... L'autre truc, là. J'en ai, là. Oh, putain. Ah non, j'en ai plus. D'accord, ok. Bon, cela dit, hein, j'ai mes 13 potions, maintenant, c'est bon. Thank you.
Un nouveau client. Quoi? Allez. Amenez-moi de... Allez. Oui. Prêt? C'est parti. Ça fait 42 minutes. On va peut-être arrêter ici la VOD. Des bisous YouTube, à une prochaine.